c'était mon sandwich mortadelle avec moutarde, mayo et petits oignons. T'es venu avec un sandwich? Eh ben, ne sachant pas combien de temps ça durerait, j'ai pris mes précautions. Au risque de déclencher tout ce bastringue. Ah, oh, non, ce n'est que de la mortadelle, il en faut plus pour que ça sonne. Regarde, elle ne fait de mal à personne, elle est là, tranquille. Je te signale que je fais ça pour toi, d'accord? Alors on va chercher le lion et on remonte tout de suite. Non, oh, y a pas de problème, je te suis. Avant de poser les pieds, vérifie que tu es sur le marbre vert. Tu sais que le sol est sous alarme. On a un de ces bols que le sandwich ne soit pas lourd. Bon, allez, je descends. Impeccable. Qu'est-ce que c'est encore que ça? C'est des pastilles de menthe. Il me faut du sucre après le sandwich. Imbriquer le globe en verre. Oui, dans ce petit sillon. Ben, ce petit sillon est conducteur. À la base du globe, il y a une peinture aluminium, d'accord? Alors, si on touche le bord du sillon en soulevant le globe... Bon, on va se faire remarquer. On va se faire remarquer. Mmh. Bon, allez, il faut assurer, d'accord? À trois, on le soulève. Tout en douceur. Pas de gestes brusques. Non, t'inquiète pas. C'est la Tex, c'est de la camelote. Tu es prêt? À vrai dire, je préférerais être dans ma baignoire. Mais bon, allez, ça va, je suis prêt. Ok. Les mains collées contre le verre. Inspire. Retiens ton souffle. Nous avons une marge d'erreur de 2 mm. Tu cherches à me faire perdre mes moyens ou quoi? Ah, un peu de sérieux. Je compte jusqu'à 3. 1. 2. Sur le verre, délicatement. Inspire. 1, 2, 3. Aussi fastoche que de voler la sucette d'un petit bébé. Espérons que le bébé ne va pas se mettre à hurler. Maintenant, on s'en va. On va comment jusqu'à la porte si le sol est sous alarme? Bah quoi, on reprend le même chemin? Navré de te décevoir dans de pareils moments, mais la descente, c'est déjà pas ma spécialité. Alors, la grimpette, je te laisse imaginer. J'ai imaginé, c'est pourquoi j'ai apporté un treuil. Je remonte d'abord. Et tu vas me hisser là-haut comme un cachalot? Non, comme un cambrioleur occasionnel qui aurait quelques problèmes de poids. Oh, merci pour l'attention. Viens voir papa. Hé, pas touche. Tu auras un hamburger dès qu'on sera sorti de là. C'est un faux. Je
J'aurais pensé le contraire, moi. Quoi, tu t'y connais en art oriental? Non, c'est pour ça que je vois pas la différence. À quoi vois-tu que c'est un faux? Oh, c'est simple, la tête de l'original est plus lourde que le socle. On peut le faire tenir facilement à l'envers. La base de celui-ci est trop lourde. Excusez-moi, mais cette statuette est la propriété du musée. Je vous la rends volontiers. C'est une copie. Vous ne m'apprenez rien. L'original ne sera pas exposé avant lundi. Franchement, croyez-vous que je vous aurais laissé voler une statuette de cette valeur? Si vous ne faites rien pour améliorer la surveillance, il ne serait pas surprenant qu'on vous pique le lion original. Quand j'ai engagé M. Jablonski afin de tester notre système, j'ignorais qu'il serait accompagné d'un spécialiste. Maxi-service pour un mini-pays? Quelque chose dans votre voix m'indique que vous êtes déçu par l'issue de l'opération. Je suis déçu, pas la peine de le cacher. Nous étions convaincus que notre système était amplement suffisant, mais nous n'avions pas songé aux acrobates. Pourquoi nous avoir engagés, Mademoiselle Stecky? Sinon pour trouver ses faiblesses? Oh, il n'y a pas de quoi se décourager. On va vous aider. Bon, le sol est parfaitement protégé, ce qui n'est pas le cas de l'estrade. Si les intrus n'essaient pas de récupérer leur sandwich, c'est du tout cuit pour eux. Toute cette zone est vulnérable. Uniquement si on débarque par le toit? Ouais, comme nous. Alors le globe, c'est pas mal, seulement on a réussi à l'enlever. Vous pourriez le fixer avec une chaîne et des grappins et le tour serait joué. C'est pas l'idéal, c'est au niveau du poids. Augmentez-le et vous réduirez... Oui, je vois. Ouais, c'est une pas mauvaise idée. Les rondes des gardiens sont trop espacées. Nous avons eu une visite hier soir, mais logiquement, ils passent toutes les 15 minutes. Il faudrait moins d'écart entre chaque ronde. Excuse-moi, Irine. Désolé de vous interrompre. Ce n'est rien, papa. Je te présente Hermann Jablonski. Enchanté. Et voici Jonathan Raven. Monsieur Raven. Mon père, Patrick Stecky. Ces deux messieurs ont réussi à voler le lion hier soir. Oh, je suppose que je dois vous féliciter pour votre performance. Quand vous nous aurez félicités, pensez donc à me payer. Monsieur Raven vient de me dresser la liste de tous les défauts de notre système d'alarme. Nous avions oublié quelques zones critiques. Eh bien, je suis ravi que vous ayez relevé ces négligences à temps. Dès que tu auras un moment, Irine, je voudrais bien te voir. J'ai bientôt terminé. Monsieur Jablonski, vous semblez très préoccupé au sujet de vos honoraires. Voyez-vous, j'aime bien que ma comptabilité soit à jour. Alors venez avec moi dans mon bureau. Non, pour le reste, je te fais confiance. Oui, merci. Est-ce que par hasard, vous n'auriez pas trouvé un sandwich à la mortadelle ce matin? Mon père me reproche régulièrement de perdre un temps précieux en cherchant sans arrêt ce qui ne va pas. Ce qu'il faut, c'est éviter les excès. En fait, je ne voudrais pécher ni par excès, ni par défaut. Toute la difficulté est là. Est-ce que vous vous rendez compte de l'importance de cette exposition pour le musée, Monsieur Raven? Jonathan. Le lion kaffir n'a jamais été vu par le public depuis qu'il a été façonné, un peu plus de 2 siècles avant notre ère. C'est un trésor national, mais peu de privilégiés ont eu l'occasion de l'admirer. Depuis presque 200 ans, cette pièce est gardée par l'émir du Kafirstan et ses héritiers. Pour un petit musée comme le nôtre, c'est... C'est un scoop. C'est sans précédent. Il y a environ 15 ans, mon père a vécu au Moyen-Orient. Il s'occupait des œuvres d'art du prince et de sa famille. Quand ce dernier a décidé d'exposer la statuette, c'est à mon père qu'il a songé. Si quelque chose devait lui arriver... Améliorez votre installation et tout se passera très bien. Je voudrais être aussi confiante que vous, Monsieur Raven. Jonathan. Merci encore, Jonathan.
C'est mon père, ils l'ont enlevé. Qui ça? Je ne sais pas. Ils sont venus hier soir et... En fait, je n'ai vu personne, mais ils ont laissé cette lettre. Nous ne voulons aucun mal à votre père et aucun mal ne lui sera fait si vous donnez le lien. Dans le cas contraire, vous porterez la responsabilité de sa mort. Nous vous ferons connaître nos instructions. Avez-vous une idée de sa provenance? Je suis venue vous demander de m'aider. Vous aider? De quelle façon? Vous êtes le seul à pouvoir voler ce lion. Je regrette d'avoir suivi toutes vos recommandations à la lettre. Ce week-end, nous avons procédé à quelques modifications dans le système. Lesquelles? Nous avons supprimé l'alarme au sol. La salle est désormais protégée par des lasers de basse intensité. Leur faisceau balaie toute la zone autour du piédestal. Et à quel niveau du sol se trouvent ces faisceaux? Leur niveau change toutes les 5 minutes. Ils baissent à chaque fois de 20 cm. Lorsqu'ils arrivent en bas, ils remontent et puis ils recommencent à descendre. Félicitations. C'est pas tout. Nous avons lesté le globe en verre comme vous nous l'aviez suggéré. Avant, la sonnerie ne se déclenchait que si on frôlait le bord. Alors que là, il suffit que le globe soit incliné. À présent, il y a 3 points de contact, ce qui rend impossible pour 2 personnes ce que vous avez réussi. Autre chose? Nous nous sommes également occupés du piédestal. S'il y a une variation de poids de 100 grammes en plus ou en moins, ça déclenche l'alarme. Personne ne pourra entrer dans ce labyrinthe, et encore moins en sortir. Une question, vous êtes la patronne ici. Pourquoi est-ce que ce soir, en partant, vous ne débrancheriez pas l'alarme? Vous affectez des nouveaux à la surveillance, on s'introduit dans la salle, on pique le lion, sac plastique, pff, ni vu ni connu. Qu'en pensez-vous? C'est la société de surveillance qui contrôle les alarmes. Les boîtiers sont scellés, aucun personnel du musée n'y a accès. Mais votre père, lui, c'est le conservateur, et il est très pote avec l'autre, la grande Ahmed. Je crains que vous n'ayez pas conscience de l'intérêt que les Kafirstani portent à ce lion. Cette pièce a été offerte au peuple du Kafirstan par un groupe de prêtres de Mazaron, il y a plus de 2000 ans. Des centaines d'hommes sont morts en le défendant. Ils ne nous permettront pas de nous en servir comme appât pour sauver mon père. Ce n'est pas impossible. Ce ne sera pas facile, mais c'est faisable. Si on s'équipe de verres spéciaux, on peut voir les rayons laser. Les gardiens sont humains. Le système d'alarme est électronique. Tu oublies un détail, mon grand. Lequel? L'enfichu globe. Il a 3 points de contact maintenant. On ne peut plus le soulever à 2. Non, mais on est 3. C'est ce que j'ai de plus approchant. C'est très bien. Ce sera parfait pour approcher le lion. À une époque où je tentais d'échapper à la routine, j'ai pris des cours de danse moderne pendant 2 semaines. Le cœur y était, mais les pieds pas vraiment. C'est très bien. Vous avez une veste ou un gilet noir? J'ai un anorak. 5 jours de ski. Je me suis contentée de regarder tomber la neige. Vous n'avez rien de plus léger? C'est lourd, un anorak. Je vais voir. Entre nous, je trouve ça un peu risqué. J'étais partant pour piquer un machin en toc pour arrondir mes fins de mois, mais là, ça se corse. Ce coup-ci, Jonathan, il y a des lits majeurs, faut réfléchir. Si on récupère Stucky avant que la substitution soit découverte, on n'aura pas d'ennui. Tu veux dire qu'un délit n'est pas un délit si on n'est pas arrêté en flagrant délit? Non, je veux dire qu'il y a une légère différence entre voler le lion et l'emprunter quelques heures. Ah. Je n'ai aucune intention de leur donner et de m'en aller. T'as une façon d'anticiper qui me sidère. Bon, mais comment tu vas faire pour récupérer le professeur sans leur donner le lion? On improvisera. Jonathan, venez voir. Demain matin, 7h, parking du Vieux Lagon. Cette alliance est celle de mon père. Interdiction de fumer. Approche.
fée m'a quitté. Je ne sais plus où. Il est haut. Vite. J'irai peut-être bien au ciné, mais c'est trop tôt. J'ai grimpé dans le grenier, mais la branche s'est pétée. Je suis tombé dans le musée. Oh, excusez-moi, je suis dans le m'embêté. J'ai pas trouvé le concierge là. Ah bah tiens, le voilà. Oh, oh quelle violence. Quand je pense que c'est moi qui les ai embauchés, je me sens très mal là. Oh, c'est rien comparé à eux. Ils auront juste la migraine en se réveillant. C'est quand la relève? Dans 15 minutes. Allons-y. Lunettes. Les rayons sont à leur niveau le plus bas. Ils devraient remonter d'ici peu. Bon, nous avons 5 minutes pour intervenir. Pas de sandwich? Non, j'ai rien. J'espère. Allez, on y va. Les fesses bien rentrées et le menton au sol. La prochaine fois, je préférerais qu'on aille boire un verre. C'est noté. Ski, tu te positionnes à 9h. Erin, à midi, d'accord? Vous continuez à ramper et vous faites très attention en vous levant. Étape par étape, tout en douceur, avec délicatesse, d'accord? Comme l'autre fois. Vos doigts sur le verre. Inspirez. 1, 2, 3. Parfait. Posez-le doucement. Le temps, Ski? La grille laser redescend dans 3 minutes. Ok. Quelle variation de poids le socle peut-il tolérer, Erin? Il ne tolère que 100 grammes. 10 grammes en plus ou en moins, et c'est tout le système qui est activé. Tendez les mains. Maintenant, vous essayez de sentir son poids au bout de vos doigts. Vous sentez? C'est exactement cette pression qu'il faudra reproduire quand je soulèverai le lion. Vous ne bougerez pas tant que je ne l'aurai pas remplacé par la copie. C'est compris? Placez vos doigts délicatement sur le socle. Pas de geste brusque. Inspirez à fond. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Ne bougez pas. Ok, Ski. Même histoire. On recommence. Mais dans l'autre sens. Concentrez-vous. Inspirez. 1, 2, 3. C'était du nougat. On n'a plus qu'à rentrer maintenant. Bon. On se glisse sous les lasers et puis ensuite on... On ne bouge plus! Couper les lasers, c'est déjà ça. Ils sont toujours là. On ne les distingue plus à cause des néants. Et il a raison, on ne les voit plus. C'est trop tard, on n'a plus le temps d'y redescendre. On ne peut plus se glisser en dessous. Je vais les enjamber. Mais vous ne les voyez pas? Qu'est-ce que vous faites? Quand il est dans cet état, il vaut mieux se taire. Mais dans quel état? Qu'est-ce qu'il fait? J'en sais rien, mais il faut pas l'embêter, c'est tout. Je suis sûr que c'est une plaisanterie. Non, il est triste.
très sérieux. Et sortez en faisant attention. Sonnez. Lunettes, où est votre veste? Dans le hall. On y va. Vous devriez rentrer, on se chargera de la livraison. Vous croyez que c'est raisonnable? Les ravisseurs s'attendent plutôt à me voir, moi, non? Tout ce qu'ils veulent, c'est le lion, peu importe qui le lion. Il a raison, à ce stade, faut des hommes d'expérience. Steve, non! J'ai oublié de vous préciser que dans ce sens, la porte est sous alarme. Avec la clé, on aurait eu 3 secondes pour sortir. Et les portes, les autres ailes? C'est pareil. Toutes les issues du bâtiment principal sont sous alarme. Vous avez fait ça ce week-end? Mais c'est comme ça depuis toujours. On m'avait conseillé de ne pas mettre trop de monde au courant. Ben quoi? Vous connaissez pas? Vous aviez déjà tous les plans d'accès. Alors je me suis dit que c'était plus prudent de ne pas vous dévoiler tous nos secrets. Vous avez d'autres alarmes? Une dizaine. Ce qui, il ne te reste plus qu'à te pointer au rendez-vous. Mais le lion, c'est toi qui l'as. Trouve une idée. Et vous, dans tout ça, alors? Nous, on va essayer de se débrouiller, mais... Mais il faut que tu t'en ailles. Dans moins d'une minute, la police sera sur place. Ah, mais là, tu sais bien que j'ai horreur de te quitter. Bah, je t'enverrai une carte postale. Mais comment ça, on va essayer de se débrouiller? Pouvez-vous nous décrire les 3 individus? Et il y avait 2 hommes et 1 femme, mais je n'ai pas vu leur visage. Quand j'ai allumé, j'ai seulement eu le temps de voir 36 chandelles. Ouais. On a fait un rapide inventaire, rien ne manque. Il y a des empreintes? Oui, on les a relevées, mais il faudra attendre le résultat du labo. Faites prendre des clichés à l'étage. Entendu. Est-ce qu'ils vont le tuer? Ce qui est à l'extérieur, et malgré les apparences, il sait ce qu'il fait. Il tentera tout ce qui est humainement possible. Mais comment en avoir la certitude? On fait ce qu'on peut, Irine. Et puis, il faut garder espoir. Il faut pouvoir. C'est pas à la portée de tout le monde, c'est vrai. Qu'en pensez-vous? Ça me va. Je parie que vous cherchez le lion. Qu'est-ce que vous savez à propos de ce lion? Oh, ce que j'en sais n'a pas d'importance. Je l'ai. Mais la femme a dit... Elle le garde auprès d'elle le temps que je lui ramène son père. C'est pas ce qui était convenu. Chez nous, les petits mots gribouillés sur un miroir, ça ne compte pas. C'est pas ce qui était convenu. Eh ben, l'accord a changé, les gars. Jusqu'à présent, vous distribuiez les cartes. Maintenant qu'on a le lion, c'est nous qui décidons. Alors, si vous voulez revoir votre félin, conduisez-moi jusqu'au professeur Stucky et laissez-moi le ramener. Nous ne sommes pas idiots. Dans ce cas, vous auriez le professeur Stucky et la statuette. Bon, vous laissez tomber, j'ai rien dit. Attendez. C'est bon, venez avec nous. Ravi de constater que vous respectez le programme. Mmh.
Merci le feu vert. Le musée peut ouvrir ses portes. Bien, je placerai les gars tous les 2 ou 3 mètres jusqu'à l'entrée. Je vous laisse. Vous tenez au courant, hein. C'est interdit là, monsieur. Elle est belle, vous ne trouvez pas? Regardez cette finesse. Oui, ben, vous n'avez qu'à la prendre en photo. Placez-la 8 cm sous l'oreille droite. Insérez-la en décrivant un angle de 20 degrés et la mort est instantanée. Aucune marque, aucune trace. Fini pour vous. Sans vouloir vous vexer, vous vous y prenez très mal. On peut discuter. Vous savez qu'on a la bête. On devrait aller tous ensemble jusqu'à la propriété de mon associé, et là, on vous la donnerait. Mais où demeure votre associé? Eh ben, ce ne serait pas très malin de divulguer cette information, mais je peux l'appeler. On va contourner la difficulté. Faites comme chez vous. Oui. Pas d'ennui avec la justice. Ah, personne ne nous a lu nos droits. Ça va, toi? J'ai trouvé le professeur. Excellente nouvelle. Alors, tu t'y es pris comment? J'ai réussi à me faire prendre en otage. Ils m'ont mené jusqu'à lui. Il va bien. Je vois. Et ils te garderont avec eux tant que le lion n'aura pas été livré. Et comment t'as fait pour deviner? Tu avais prévu cette éventualité? As-tu une idée de l'endroit où tu es? Pas vraiment, non. Et si je les amenais chez toi, plutôt, tu leur remettrais ce qu'ils veulent et d'ici midi, la boucle serait bouclée. Ski. On a un léger problème ici. Un problème? Mais c'est pas toi l'otage. Quel problème? Eh bien, en fait, la statuette qu'on vient de voler n'est pas l'originale. Et comme si ça ne suffisait pas? Au moment où on sortait du musée, un mec a volé le lion qu'on venait de substituer à l'autre. Excusez-moi. On a maintenant l'original et 2 copies qui se baladent dans la nature. Écoute, tu peux peut-être trouver un moyen de les endormir le temps qu'on comprenne quelque chose à l'histoire. Bah, j'ai plutôt intérêt. Je suis un homme mort, sinon. Ski, écoute-moi. Si ça dégénère, tu rappelles, d'accord? Ça dégénère vite avec eux. Je te rappelle si ça chauffe trop. Entendu. Ça ne peut pas être une copie. L'émir nous a remis ce lion en personne. Ensuite, qu'avez-vous fait de la statuette? Nous l'avons aussitôt mise au coffre. Oh, alors là, c'est le flou total. Nous ferions bien d'aller voir celui pour qui tout doit être clair. Faites-vous une beauté, nous allons chez le prince Ahmed. Erin, content de vous voir. Oh, Ahmed, voici Jonathan Raven. Bienvenue. Enchanté. Votre père n'est pas là? Non, il vous prie de l'excuser. Il est resté trier ce qu'il a découvert lors de ses dernières fouilles. Mais il a promis de vous rendre visite avant votre départ. Formidable. Oh, pardon, je manque à tous mes devoirs. Venez. Joli. Alors, que voulez-vous boire? Ce que vous voulez, avec un zeste de citron. Zaret, monsieur Raven. La même chose. 3, s'il te plaît. Je vous en prie, asseyez-vous. Où est la salle de bain? Juste en face. 2e porte à droite. Je reviens tout de suite. L'exposition est superbe. Vous et votre père avez fait du beau travail. Non, vous êtes trop aimable. Nous étions si fiers d'avoir été choisis par vous pour cet événement. Ça m'a fait plaisir. Votre père a apporté une aide précieuse à ma famille. Vous devriez venir à Barguette, tous les 2. J'ai une résidence somptueuse avec un grand nombre de chambres inoccupées. Votre présence
illuminerait un peu notre palais. Oh, c'est très gentil à vous, mais... Vous êtes une jeune femme charmante. Merci. Oh, j'ai filé mon collant. Oh, zut. Oh, un collant tout neuf en plus. Oh, je n'en reviens pas. Ce n'est pas trop moche. Ce n'est pas le mot que j'utiliserais. Si on ne se penche pas trop dessus, je crois que ça ne se voit pas. J'ai autre chose à admirer. Demande bien ce que fait Monsieur Raven. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Zavette. Merci. Je vous remercie. C'était la police. Un visiteur a volé le lion. J'adore ce savon. Permettez? Je suis sûre que tout se passera bien. On vous rejoint là-bas. Entendu, Erin. À plus tard. Au revoir. Allez. Doué pour les histoires de collants. Et maintenant, nous avons un faux lion et nous avons le vrai. Oh. Vous les aviez balancés par la fenêtre? Ça aurait paru louche si j'avais répliqué avec un lion dans chaque main, non? Je n'y comprends rien. Pourquoi l'émir nous prêterait-il une copie au lieu de l'original? J'ai une meilleure question. Pourquoi vous donner une copie et venir vous la reprendre au musée? Je n'arrive plus à suivre. Je commence à entrevoir une explication. Vous voulez bien éclairer ma lanterne? Il pourrait y avoir deux raisons pour lesquelles l'émir ne vous a pas confié l'original. Primo, il est parano. Il n'a pas confiance en votre système de surveillance et il le garde. Vu les circonstances, sa parano est tout à fait justifiée. Secondo? Il veut le vendre. Qu'entendez-vous par là? Le prince a un goût prononcé pour les grosses cylindrées et les jolies femmes. Ce n'est pas donné. Il a besoin de liquidité. Bon, je vous en prie, je peux pas croire ça. Ahmed a hérité d'une immense fortune, alors il a les moyens. Vous savez combien il a en banque? Non. Il a des goûts de luxe, il faut pouvoir les satisfaire. Je n'exclus rien. Je suis persuadé qu'il a monté un coup, il n'y a pas le moindre doute possible. Pour vous? Je continue. Il vous donne un faux lion. Vous, les visiteurs, tout le monde croit que c'est l'original. Il engage quelqu'un pour le récupérer au musée. Stupéfaction, tout le monde croit que l'original a disparu. Et lui pourra le vendre sur un marché parallèle. Pas mal étudié. Oui, mais puisqu'il l'a repris, pourquoi nous avoir donné une copie? Pour assurer ses arrières. Au cas où la surveillance aurait été plus efficace qu'il l'escomptait. Elle a été très efficace, jusqu'à 9h quand ils ont déconnecté le système. Et le musée grouillait de flics trop agités pour remarquer quoi que ce soit. Oui, ma version est très plausible. On ne va pas au musée? Non,
Je vais voir si j'ai des nouvelles de Ski. Il doit veiller à la sécurité de votre père et les faire patienter. C'est difficile. Il m'a laissé un message. Nous avons un rendez-vous. Au parking. Si on se présente sans la statuette, les négociations sont terminées. Ces messieurs sont en retard. Vous croyez qu'ils... Non, attendez, les voilà. Vous avez le lion? Vous avez mes amis? Lorsque j'aurai la preuve que vous l'avez, nous vous rendrons vos amis sains et saufs. Il y a un problème? C'est la statuette originale. Qu'est-ce qui ne va pas, alors? Ce n'est pas du tout ce que nous voulons. Nous voulons le lion qui a été dérobé au musée. C'était une contrefaçon. En effet. J'ai l'impression que la vie de vos amis n'a guère de valeur à vos yeux. Vous n'allez pas... Nous avons assez discuté. Jonathan. C'est bon. Vas-y, démarre. C'est parti, on les suit. D'accord. Hey, le signal clignote, là. Super. Tourne à droite à la prochaine. Il se dirige vers Alamawan. Tu restes à distance. Quelle merde. Quand je pense que tant de malheureux innocents sont morts pour sa beauté. Il roule vers le sud sur Alamawan. Il y a vraiment des faussaires de talent, hein? C'est saisissant. Ressemblant, surtout. C'est lequel, celui-ci? Ce doit être le lion qui était dans la salle quand on a sévi Ski et moi. Je voudrais bien qu'on m'explique. Ça va être difficile. Cole, ces types vont nous semer. Reste avec eux. Je fais de mon mieux, Jonathan. C'est pas une voiture de course. Je ne comprends rien. Quel intérêt de séquestrer mon père et maintenant Monsieur Jablonski dans le seul but d'obtenir une copie du lion? C'est totalement insensé. Pas pour tout le monde. Bonjour, c'est Jonathan Raven. Nous nous sommes rencontrés chez vous. Oui, le monsieur à qui le long séjour dans ma salle de bain fut, semble-t-il, particulièrement profitable. Oui, c'est moi. Si vous voulez avoir le lion original, veuillez noter cette adresse. Si vous avez décidé de nous tuer, vous pourriez peut-être nous expliquer ce qui s'est passé avant. L'émir est un traître. Il a l'intention de vendre le vrai lion à un collectionneur privé américain. La statuette qu'il a prêtée au musée est fausse. Notre devoir est de le démasquer.
Hein? Donc le lion qu'on a volé hier soir est une copie. Exact. Et l'émir a volé le lion en toc par lequel on l'avait remplacé. Nous n'étions pas au courant de la substitution. Ça ne change pas grand-chose. L'important pour l'émir, c'était de faire croire que l'original avait été volé. Il aurait pu réaliser la vente tranquillement, à l'insu de tous. Il y a un truc qui m'échappe, là. Pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas l'original que Jonathan vous a remis pour confondre votre émir? Parce que le cher prince raconterait des salades. Il soutiendrait que nous le lui avons pris. On voulait le lion que lui-même avait confié au conservateur du musée. Et c'était une copie. Bah, si vous voulez, je peux peut-être passer un coup de fil. Ce n'est plus l'heure des négociations. Hein? Livraison spéciale. Vous avez de la ressource. Merci. Et vous, une tête à claque. Vous les prenez? Jonathan? Papa! Est-ce que ça va? Je vous avais demandé d'attendre dans le camion. Non. Ils seront à vous quand vous aurez détaché mes amis. Je prends les lions, monsieur Ravel. Vous êtes un traître à votre pays. Je vous trouve bien excessif. Vous avez volé le lion afin de renflouer votre compte en banque. Et vous vouliez la copie volée au musée pour pouvoir le démasquer. Il est impossible de satisfaire tout le monde au même moment. Le lion, je vous prie. Ski! Ça suffit, monsieur Ravel. Ski. Je veux le lion, et tout de suite. C'est l'original que vous voulez? Je les veux tous les trois. Je verrai après lequel est l'original. On en arrive aux vraies questions. Apparemment, vous êtes un homme plutôt gourmand, n'est-ce pas? Je parie que vous tenez au lion Kaffir beaucoup plus qu'à mademoiselle Stucky, je me trompe? Je suis prêt à tuer pour l'avoir. Seriez-vous prêt à mourir pour l'avoir? Votre sort n'est pas très enviable entre nous. Si vous ne récupérez pas le vrai lion, vous serez fauché et vos compatriotes exigeront votre tête. Lequel choisissez-vous? Difficile, hein? Et d'où vous êtes, ce n'est pas évident de voir la différence. Même moi, j'hésite. Vous êtes cinglé. Ça se pourrait. Ai-je brûlé l'original? Ou n'était-ce qu'une copie? Vous prenez le risque? Est-ce qu'on décapite toujours au Kaffirstan? Non, arrêtez. Votre arme. Jeune homme, vous avez pris un énorme risque. Cette pièce unique aurait pu être réduite en cendres. J'ai fait confiance à mon intuition. Votre intuition? Vous vous êtes fié à votre intuition? Pas seulement. Il y avait également un petit bout de ruban adhésif collé sous les faux lions. L'exposition est magnifique. Vous avez frappé très fort. Ma foi, c'est grâce à vous et à Ski. Bon, bah, il récolte les bisous, mais moi, l'argent. Merci pour tout. Nous avons eu l'accord de l'ambassadeur du Kaffirstan. Nous exposerons le lion jusqu'à la fin du mois. Toutes mes félicitations. L'émir va être expulsé. Il va devoir rendre des comptes à son pays. Je n'aimerais pas être à sa place. Pour le ravisseur de papa aussi, ça va être dur. Son pays l'a réclamé. D'une certaine façon, c'est un patriote, mais... je crains fort que nos tribunaux ne le voient d'un autre œil. Finalement, tout rentre dans l'ordre. Nous vous devons beaucoup. Au revoir. Merci encore. Noël, on s'est débrouillé comme des chefs sur ce coup-là. Des honoraires d'enfer. Un super bonus. Partage, moitié-moitié, d'accord? Ben, surtout pas le bonus, hein. Ça veut dire quoi, surtout pas le bonus?
Dis donc, t'essaierais pas de me rouler, toi? Tu sais, il a fallu que je fasse réparer le bateau. Et puis, je voudrais emmener Lily à Maui ce week-end. Je me suis dit que tu comprendrais. Je te donne la moitié du sandwich.